Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce jour, on va évoquer la situation au Tchad où l'état d'urgence a été déclaré dans l'est du pays en proie à des violences intercommunautaires. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président tchadien Idriss Déby Itno a déclaré dimanche l'état d'urgence dans deux provinces de l'est du pays et réclamé le désarmement des civils après des affrontements meurtriers entre communautés qui sont, selon lui, liées à la crise au Soudan voisin. L'état d'urgence est déclaré pour trois mois dans les provinces de Sila et de Ouadaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 19 août, selon la présidence qui ne dresse pas pour le moment de bilan précis. Depuis plusieurs dizaines d'années, la province de Ouadaï, zone de transhumance, est en proie à des conflits entre éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones ouadaïens. Alors, Mamadou Diouf, si le président tchadien décide aujourd'hui de déclarer l'état d'urgence dans ces deux zones, ça veut dire que la situation devient intenable? Oui, la situation devient vraiment intenable parce que quand on en parlait la dernière fois, on était à peu près 37 morts. Mmh. Si on en est à 50, ça veut dire que la situation n'a pas évolué dans le bon sens. On n'a pas pu ramener le calme au niveau de cette zone. Si le président lui-même descend dans la zone habillé comme un militaire, tenant ce discours, j'allais dire, martial, cela veut dire que la situation, effectivement, n'a pas été réglée et il compte utiliser, malheureusement, des mesures à la limite trop fortes pour régler un tel problème, alors que des problèmes communautaires, il vaut mieux voir comment trouver une solution définitive, parce que ce n'est pas un phénomène qui se passe tout de suite, c'est un phénomène qui est là depuis plus de 10 ans. Il vaut mieux essayer de trouver une solution définitive que de mettre en place un rapport de force qui règle le problème peut-être pendant 3 mois, le temps de l'état d'urgence. Et après, quand les militaires partiront, on se retrouve à la case de départ avec un risque encore d'affrontement entre les communautés. Vous l'avez dit, le président Idriss Déby a prononcé un discours quasi martial quand il a effectué sa visite. Qu'est-ce qu'il met dans l'état d'urgence? Ben, la première chose, il y a l'interdiction des motos de circuler, puisque c'est ces motos qu'on a utilisées pour aller s'en prendre à une communauté ou bien à l'autre. On considère également que c'est les mêmes motos qui traversent la frontière et qui amènent les armes. Parce qu'il demande, il a dit même dès mon départ, désarmer les civils. Bon, c'est inquiétant quand même comme discours. Désarmer les civils, comment? Les militaires vont rentrer avec leurs armes dans les maisons, chercher qu'il y a une arme pour prendre les armes. On risque de se retrouver avec des exactions, des non-respects des principes des droits de l'homme et autres, surtout que l'armée tchadienne, on ne la connaît pas pour son respect pour les droits de l'homme. Des opposants ont disparu jusqu'à présent, on ne sait pas par où ils sont passés. Et donner un tel discours me semble quand même dangereux dans une zone qui est déjà une zone en crise, d'autant plus que c'est la zone d'origine également du président, parce que les éleveurs Ouadaï, parce que tous les éleveurs ne sont pas des Arabes ou des étrangers, les éleveurs de la zone font partie du groupe communautaire du président de la République. Raison pour laquelle la Convention de défense des droits de l'homme du Tchad se plaint en disant est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un appel au meurtre avec ce que le président est en train de tenir comme discours. C'est vrai, quand une situation est compliquée, on propose l'état d'urgence. On le voit souvent quand les pays sont confrontés aux attentats et autres. Mais immédiatement après, vous voyez les organisations des droits de l'homme se plaindre parce que c'est une sorte de porte ouverte à du non-droit, puisque les procédures sont accélérées, on n'a pas besoin d'aller voir un magistrat pour rentrer dans la maison de quelqu'un, pour attraper quelqu'un. Bon, ça rend les choses plus compliquées et c'est pourquoi il y a de quoi quand même être prudent par rapport à cet état d'urgence. Le président Déby est encore allé plus loin. Il a dit s'il y a encore des conflits entre Arabes et Ouadaïens, vous en tuez 10 de chaque côté afin de sauver la majorité. De tels propos de la bouche d'un chef d'État? Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est le chef d'État qui parlait ou est-ce que c'est l'ancien rebelle qui parlait? Parce qu'on oublie que Déby est passé par cette situation pour venir conquérir le pays. Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais quand il a porté son tri, est-ce qu'il s'est remis dans la peau du rebelle qui est venu prendre le pouvoir? Parce qu'un rebelle prononce de tels propos, ça ne surprend pas, mais que celui qui est censé protéger la vie des citoyens demande qu'on tue les citoyens, là on n'y comprend plus rien. Qu'il le demande à l'armée. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de tuer les citoyens. Le rôle de l'armée, c'est de protéger les citoyens.
Donc normalement, quand l'armée descend dans une zone, les citoyens doivent se sentir en sécurité. Mais quand on demande à l'armée de tuer, si l'armée descend, il est clair que les citoyens ne vont pas se sentir en sécurité en présence d'une telle armée, alors que cette armée, c'est l'armée du peuple. L'armée doit être là pour la protection du peuple. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à tenir un tel discours en termes de communication. C'est une véritable catastrophe, parce que le président lui-même pousse son armée à tirer, c'est plutôt le contraire qu'on voit. Si même par mégarde l'armée tire, c'est le président qui ramène l'armée à l'ordre. C'est lui le premier des militaires. Mais quand c'est lui qui ouvre le feu le premier, on se pose des questions sur quelle opération ils veulent mener dans cette zone de l'Est du Tchad. Il y a quand même tout de même nécessité dans ces régions-là de désarmer les civils. Oui, mais ça va être très compliqué parce qu'ils ont d'abord laissé passer. Puisque les ONG disent qu'il est aussi facile d'acheter une arme là-bas que d'acheter du pain. Et l'explication qu'ils donnent également est claire. Il y a la Libye qui a été désarticulée avec tout ce qui existait là-bas comme arsenal sur le plan militaire qui a traversé les frontières. Il y a la Centrafrique qui est à côté, qui est en crise. Il y a une frontière, parce que cette partie-là a une frontière avec le Soudan. Et c'est la partie du Soudan également où il y a la crise avec le Darfour, avec un certain autre nombre de groupes rebelles. Mais ça veut dire que la circulation des armes est favorisée. Et on est dans des zones aussi, comme dans nos pays, on le fait souvent. C'est plus la capitale qui est la zone rangée, avec de l'ordre. On contrôle les autres espaces, on laisse. C'est vrai que là-bas, aujourd'hui, la présence des armes est un problème. D'ailleurs, c'est cette présence des armes qui explique le nombre de morts, parce qu'une bonne partie des victimes ont été tuées par balle. Et ce n'était pas les soldats qui ont tiré, c'est des deux côtés des communautés qui s'affrontaient que les gens avaient des armes. Donc les désarmer, effectivement, il faut le faire, mais de quelle manière? C'est là où il faut faire attention aussi pour que vouloir désarmer ne se traduise pas également par un autre massacre, alors qu'on est venu pour que les massacres cessent dans cette région. Alors, avant qu'il n'aille tenir ce discours un peu martial, est-ce que le gouvernement tchadien n'a pas tenté de résorber la situation? On ne dirait pas. On ne dirait pas, parce que s'ils avaient posé des actes, on n'aurait pas eu besoin de ce discours. Parce que quand on disait que le président partait, tout le monde s'attendait à ce que le président ramène les gens à l'ordre. Tout le monde. Mais certains disent que puisque c'est sa zone, puisque les éleveurs d'origine, les éleveurs wadaïens, sont de la même tribu que le président, certains se sont demandé est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui se sent concerné qui est venu prendre la parole. De sorte que certaines organisations des droits de l'homme disent que même le président a fait un appel aux meurtres, certains vont plus loin en disant que si demain il y a un génocide dans cette zone, c'est le président de la République qui sera le premier responsable. Donc pour dire que il fallait résoudre ce problème, c'est indiscutable, mais l'approche n'est pas la bonne parce qu'on voit les Tchadiens eux-mêmes ne pas du tout apprécier la méthode qui est utilisée par le président. Quand il y a affrontement, il n'y a rien à faire, il faut bel et bien que l'armée soit là pour que l'affrontement cesse. Maintenant, quand il faut résoudre le problème, est-ce que l'armée est l'institution la plus indiquée? Je ne le crois pas. Dans beaucoup de pays, souvent, vous avez des structures qui sont là, qui s'occupent de questions de médiation quand il y a des problèmes. Je crois que mettre ces structures en avant, amener ces communautés à s'asseoir, à s'entendre, à se comprendre, à se partager cet espace à problème en termes de pâturage, un espace d'agriculture, c'est ça qui peut permettre d'avoir une solution définitive. Sinon, on aura l'impression que le président est allé d'un côté ou de l'autre, le problème restera entier. Alors, comment vivent ces deux communautés? Est-ce que c'est des communautés qui, de façon géographique, vivent séparées l'une de l'autre ou bien elles sont mêlées? Elles vivent légèrement séparées dans ces deux zones. Parce que généralement, les agriculteurs, vous les trouvez, c'est des sédentaires. Ces éleveurs sont des nomades. Mais ils ont quand même un espace où ils sont. Ils font de la transhumance. C'est la transhumance maintenant qui amène le problème parce que avec la transhumance, ils quittent le premier espace que l'on considère comme étant un espace d'élevage. Et c'est dû à deux raisons. La première raison, c'est la sécheresse, qui fait qu'il n'y a plus de pâturage, il n'y a pas d'eau. Ils ne peuvent pas rester avec les animaux, il faut qu'ils aillent chercher du pâturage, il faut qu'ils aillent chercher de l'eau. Et c'est là où le problème commence. Parce que maintenant, s'il n'y a pas de piste permettant aux animaux de pouvoir aller à ce pâturage, les animaux risquent de traverser les champs. Même si les animaux traversaient les champs sans manger, ils vont piétiner.
ce que les gens sont en train de cultiver. Alors que, bien sûr, les animaux ne vont pas traverser sans manger. Quand les animaux rentrent dans un champ, surtout que là-bas, ce n'est pas seulement des petits ruminants, vous avez des bœufs, vous avez des chameaux. C'est clair que quand ces gros bétails-là rentrent dans un champ, mais il ne reste absolument plus rien. Et c'est ça qui amène souvent ces affrontements avec ces agriculteurs qui voient tous leurs efforts partir, alors que c'est une zone où tu cultives une fois à l'année. Si tu vois tout le travail que tu as fait partir, il faut attendre la prochaine saison des pluies pour cultiver. Vous imaginez un peu également la situation dans laquelle cet agriculteur est, ce qui les amène souvent à affronter les éleveurs. Et après, on dit ces éleveurs et agriculteurs qui se sont affrontés, on y mêle l'agitation communautaire, les éleveurs se mettent du côté de l'éleveur, les agriculteurs se mettent du côté de l'agriculteur. Et c'est ça qui fait qu'après, ça déborde même de la zone où le conflit a eu lieu, puisque les autres agriculteurs vont se solidariser en disant, voilà, c'est comme ça, ils font tout le temps. Les autres également feront la même chose. Et ça fait qu'on a deux provinces actuellement où, au niveau du Sila et du Wadaï, il y a vraiment énormément de problèmes sur ce plan-là. Alors, si je pose la question ainsi, c'est pour savoir s'il n'est pas plutôt possible pour l'armée tchadienne de jouer un rôle tampon, de se retrouver au milieu de ces deux communautés. Ça va être compliqué pour les éleveurs. Pour les agriculteurs, c'est facile. Ils sont sédentaires. Pour les éleveurs, quand vous les cantonnez, qui va nourrir les animaux? Qui va donner à boire aux animaux? Puisque c'est ça qui est la source du problème. Les gens avaient des espaces où ils se mettaient, et tant qu'ils étaient dans ces espaces, il n'y avait vraiment pas de gros problème. Mais depuis 10 ans, avec une sécheresse qui ne s'arrête pas, la réduction des pâturages, la pression démographique, ces gens ont tendance à se déplacer pour pouvoir nourrir les animaux. Et c'est des problèmes qu'on retrouve à la limite, pas seulement au Tchad, mais que les gens essayent de gérer par anticipation. Et ici, c'est comme c'est ça qui manque depuis 10 ans. On n'anticipe pas sur le problème parce qu'on sait à quel moment les éleveurs vont se lever pour partir avec les animaux. On sait la direction qu'ils prennent. Mais il suffit de parler aux agriculteurs, de parler aux éleveurs et d'aller voir les vétérinaires parce que ça fait partie également de leur domaine. Leur rôle, ce n'est pas seulement de soigner les animaux, de faire ces plans de partage pour qu'on respecte les espaces pour cultiver, des chemins pour que les troupeaux puissent passer et des espaces qu'on ne voit pas cultiver pour qu'il y ait de l'herbe. Les animaux iront manger sans pour autant avoir besoin de rentrer dans le champ de qui que ce soit. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer une courte pause et nous recevons juste après l'invité de ce jour.